penser. Viens de mon
servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau. Haïti. Fier de mon nom. Chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Et yo, tout ça pour te dire que peu importe là d'où tu viens, tu te dois de rester fier. Parce que c'est l'Éternel, oui, l'Éternel qui t'a placé ici, dans cette situation, dans cette famille. Et toujours, tu dois toujours marcher la tête haute. Ok? Pour ma part, c'est Haïtien Mier. Okunda, Okunda Gayo. Aïe. Fier de mon drapeau, Haïti. Fier de mon nom, chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau, Haïti. Fier de mon nom. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau Haïti. Fier de mon nom chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau Haïti. Fier de mon nom chéri. Fier de servir Jésus. Fier d'être un
parle. En quoi as-tu mis ta confiance? Serait-ce dans ta maison, ta voiture, ton argent? Est-ce en ce que tu possèdes? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté? Et quoi d'autre? Tu as beau avoir toutes les possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu te donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice. Et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour briller, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul élève. Et lui seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Derrière le maquillage, des sourires fabriqués, faisant croire que tout va bien. Tu dis en toi-même, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais je te dis que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier et te rendra libre. Oui, libre. Cette liberté que seul le Fils de Dieu peut, par son sacrifice donné, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et tu auras la vie et la paix. Tu n'auras plus à avoir honte, ton péché sera lavé dans son sang, et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu sait tout de toi. Il t'aime et il veut te recevoir en tant que fils, fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. C'est lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît, il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Dieu est amour. Il t'aime, oui, toi. Dieu t'aime. Et reçois son fils Jésus, car c'est le don gratuit du Père pour tes péchés. Accepte-le, accepte-le aujourd'hui. Écoutez-moi, j'ai dû quitter tous les miens dans ma vie.